Bonsoir à tous et bienvenue au Goethe Institut. Ça y est là, Goethe Institut temple culturel, Goethe Institut temple de la musique aussi. À l'honneur aujourd'hui ce soir, un groupe phare de Dakar en train de monter en flèche. Et je veux dire, et je veux nommer aussi le groupe Takaifa. On va voir l'ambiance, comment ça se passe dedans. C'est chaud dedans. On me suit, on va voir comment ça se passe. Ok. Musicalement, en partenariat avec Music in Africa, donc aujourd'hui, on a décerné un prix. Et ce prix-là a été décerné par Lamine Ba et Michel Eliasman, le directeur du Goethe Institut Dakar. On va demander les impressions de Lamine par rapport à ce prix et comment est-ce qu'il trouve la soirée aujourd'hui avec Takaifa. La salle est pleine, Takaifa assure, donc c'est une soirée de rêve, c'est une soirée parfaite quoi. Music in Africa en octobre 2015 avait organisé un concours qui consistait tout simplement à aller s'inscrire sur la plateforme en tant qu'acteur de la musique sénégalaise africaine. Donc on a décerné un prix à Gis Gis qui a gagné ce prix. Donc il s'agissait de lui donner un écran acoustique portable et aussi un casque AKG. Donc il a reçu, il est très content et donc c'est une très très bonne chose quoi. On voit que la salle elle est pleine et il fait chaud dedans et la musique elle est super super bonne. Tout à fait. On a beaucoup de chance et c'est un honneur de recevoir Takaifa ici dans notre salle. C'est tellement bien. La coopération avec Music in Africa se montre une fois dans les meilleures conditions avec ce concert de Takaifa. Musicalement, on a l'habitude de recevoir aussi des artistes et des stars montantes. Et c'est le cas aujourd'hui d'Axila, Axila, femme d'Afrique, qui fait un mélange d'afro et de jazz, présente ici, on va la voir exactement. Axila, comme je l'ai dit tantôt, femme d'Afrique, donc elle fait un mélange d'afro et de jazz, elle fait de la bonne musique et c'est une étoile filante et montante aussi de la musique sénégalaise. Donc Axila, dis-moi, quelles sont les impressions par rapport à ce que tu viens de voir comme musique avec la Takaifa, avec Music and More? C'est super. Moi j'adore Takaifa, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Maintenant, on m'a soufflé que tu prépares ton album. Ouais. Super, donc est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu? Ouais, bon, ça va être une surprise. Mes textes parlent beaucoup de la femme, il y a des paroles très sociétales et j'espère que les Sénégalais vont aimer. Très bien, on est institué. Donc, mes crispy, donc spectacle, on a espoir maintenir. On est que chaque mois gagne des attaques. Donc, Takaifa est comme fait des produits. Donc, on est à faire maintenir. C'est important pour artistes. Donc, c'est important de mettre les maintenir pour artistes comme exact. Donc, musique, il faut le voir maintenir. Parce que t'as une nouvelle salle salle bétail. Donc, on a ramené t'as musique fine, musique amne. On est que le nice. Donc, de la loi. Chaque mois, de l'industrie. Big up. Bless you. Why love? Oh, Sangobi. Bientôt, Albo Barrio. Big Sénégal, West Africa. Bolivian Europe. International. Nous avons gagné un temps de monter Kefa. Kefa, le plus. Radio. D'après ce que j'ai compris par rapport au concept Music and More, ça valorise la musique et d'autres arts de la scène. Et c'est très important que
que les autres arts de la scène soient mis en avant. Il y a beaucoup de personnes qui ont investi leur vie dedans et c'est une occasion pour eux de faire voir le travail qu'ils font. Je dirais nice concept, really nice. Le fait que ce soit Music & More, ça ne se limite pas seulement à la musique. Vous élargissez, vous ouvrez les ventes, je veux dire quoi. Vous permettez à tout le monde, à tous les artistes, à tous ces jeunes qui en ont besoin. Parce que les musiciens, ils en ont besoin. Ils ont besoin de plateaux comme ça pour s'exprimer. Les plasticiens, ils en ont besoin parce qu'au Sénégal, c'est limite les événements pour que ces gens-là puissent s'exprimer. Et les danseurs, et plein, & More. & More, c'est assez ouvert. Donc, Music & More, nice concept. Nous sommes en train d'enregistrer notre troisième album qui va sortir dans quelques mois, Inch'Allah. Et nous comptons vraiment faire la promotion de cet album à l'étranger, effectivement, mais surtout ici au Sénégal. Et attendez-vous aussi à avoir des surprises par rapport à cet album-là. Il y aura des featuring, il y aura une nouvelle couleur de Takefa. Je remercie God Institute de nous avoir choisi pour un numéro de Music & More. Et nous remercions toutes les personnes qui sont venues, mais nous remercions aussi le public de Takefa, toutes les personnes qui nous ont soutenus.